Les deux, pour 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 les deux, p
Et la raison pour laquelle donc, je me suis posé la question, d'habitude il y a un peu plus de monde quand même, et j'ai une certaine fierté, et on m'a expliqué qu'il y avait la fête de la francophonie aujourd'hui, et notamment les jeux mathématiques. Alors, j'ai trouvé l'excuse belle, amusante, on n'est pas toujours obligé de croire les étudiants. Alors je suis doublement déçu parce que je me rends compte qu'ils avaient raison. J'ai tort de ne pas les croire, parce qu'effectivement, ils étaient impliqués sur le jeu mathématique, et j'ai compris en fait qu'ils n'étaient pas là à cause de leur sérieux. Parce que j'ai pu constater, nous avons pu constater. Bravo, bien d'abord mon bonheur d'être parmi vous aujourd'hui pour cette fête de la francophonie. C'est toujours un plaisir de venir à Galatasaray, c'est toujours un plaisir, monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur le directeur, d'être dans vos murs, d'être avec vos étudiants, là, on a fait un peu le tour, trop rapide, mais peut-être qu'on pourrait retourner de tous les stands des classes de préparatoire. Et j'ai vraiment été très impressionné de la qualité, du niveau de français des étudiants, qui ont 6 mois, pour certains, de français, on dirait dans les jambes, mais dans la tête et dans... mais aussi dans les cœurs, parce que voilà, on a trouvé des étudiants très engagés et très impliqués et très convaincants dans leurs argumentations. Donc bravo à eux et puis bravo aussi aux professeurs qui les accompagnent au quotidien pendant cette année si décisive de préparatoire, parce que c'est pendant cette année-là qu'ils vont acquérir les bases et qui vont les accompagner après toute leur vie, leurs études et puis aussi on espère après dans leurs projets professionnels, dans leurs études aussi, parfois en France, en tout cas, où ils seront toujours les bienvenus. Et je suis très content d'être là pour cette fête de la francophonie. C'est un peu... on fête cette année, il y aura beaucoup de festivités, il y a beaucoup d'anniversaires, en fait, le 150e anniversaire du lycée Galatasaray, on fête le 25e anniversaire de cette belle et grande université. On fête aussi le 30e anniversaire de la... Les Français adorent les anniversaires. Les Turcs aussi, je crois. Et donc, voilà, c'est beaucoup d'anniversaires auxquels il faut donner la participation. Bonjour. Tout d'abord, nous félicitons toutes et tous les participants de ce concours d'étalage. C'était un grand plaisir de lire tous vos œuvres sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. C'était très difficile... de choisir le meilleur, mais quand même, il y avait un livre qui s'est distingué par son originalité. C'était une histoire vraiment touchante et intelligente aussi. Nous vous présentons avec grand plaisir le meilleur livre. L'espoir vert. Écrit par exemple. Une œuvre basée sur une histoire courte mais assez profonde. De plus, cette histoire est ornée des illustrations de l'auteur elle-même et elle nous propose une esthétique antérieure magnifique. Alors je vous annonce avec grand plaisir le 3e prix à... Le 2e prix
Le 13e tableau, Aslı Yalçıntaş. Également Isabelle Roger qui m'a beaucoup aidée pour cette organisation, UN aussi, UN Germain qui nous a donné un super coup de main pour les affiches et tout. Les étudiants bien entendu hein, de mathématiques, toute la classe, mais aussi le département et le groupe concepteur du jeu. Et je vous remercie vous aussi pour votre intérêt. Merci, à l'année prochaine. Pour m'avoir invité à cet événement aujourd'hui. Cette année, comme l'année dernière, c'était très réussi et très amusant. Donc, sans tarder, je commence à annoncer les vainqueurs. Le premier prix revient à Monsieur Céline. À Monsieur Albert. Et le troisième prix revient à Mademoiselle Bernice. C'est pas des prix séparés mais un prix collectif puisque dans une équipe il y avait 3 joueurs, donc bravo à l'équipe gagnante. Donc, à présent la vice-consul du Maroc va remettre les prix aux concepteurs du jeu et ils sont 4 dans le groupe. Compose de Monsieur Ouous et Ilmak. Du semestre 1 en licence 1 mathématiques. Il s'agissait donc de créer un jeu de société qui pousse les joueurs à parler en français avec une teinte scientifique. Donc tous les domaines scientifiques étaient touchés, alors il n'y avait pas que les mathématiques. Merci, je m'attendais pas. Donc j'ai fait un court-métrage sur Sukule mon amour, un clin d'œil à Hiroshima mon amour. J'ai travaillé avec des jeunes de Sukule. J'ai organisé. À l'année prochaine. Merci.